tout ce que la République démocratique du Congo connaît aujourd'hui comme agression de la part de ses voisins. Vous le savez très bien, l'Ouganda et le Rwanda, mesdames et messieurs, tout ça nous préoccupe au plus haut point. C'est pour cela que nous venons pour vous en dire un peu plus, pour vous mettre aussi au parfum de toutes ces actualités, sur les plans politiques, sur les plans diplomatiques, mais également sur les plans militaires. Les forces armées de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, pour commencer déjà, tôt le matin de ce mardi, les FARDC font face à la coalition RDF-M23-AFC-UPDF. Et là, côté FARDC, il y a aussi les jeunes patriotes Wazalendo. Ils ont été attaqués par la coalition RDF-M23 et les FARDC, au-delà de la résistance, sont en train de faire subir aussi une force de frappe aux ennemis de la paix. Comme je vous ai bien dit, l'armée rwandaise, l'armée ougandaise, il y a aussi les M23. Voilà. Mesdames et messieurs, des combats opposent donc les forces armées de la République démocratique du Congo, qui sont appuyées par les Wazalendo, au RDF M23, c'est près de Rubaya, cette cité minière qui, on peut dire, elle est le théâtre même de toutes ces offensives, voilà, entre les deux forces protagonistes, Rubaya et ses environs, où se déroulent toutes ces atrocités, voilà, ou disons tous ces affrontements. Et là, on voit beaucoup plus l'axe Rubaya et Bihambwe. C'est dans les territoires des Masisi. Pas plus tard qu'hier, je vous ai dit, les fronts dans les territoires des Masisi nous permet aussi de prendre toujours les décisions sur l'ennemi. Très, très déterminés, les FARDC et les Wazalendo arrivent aussi à mettre en difficulté les M23 RDF quand on prend particulièrement les fronts au niveau des Masisi. Parce que c'est vrai, à Rutshuru, on peut mener des offensives où il y a des fois que l'ennemi nous attaque. Mais mesdames et messieurs, nous n'arrivons pas à rester longtemps dans les entités qu'on récupère dans les mains de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'en main prise, aux alentours d'une entité qu'on peut prendre, il y a toujours des renforts qui permettent aussi à l'ennemi de revenir en force, ou soit les FARDC pour ne pas exposer les civils au massacre dont les M23 se sont toujours caractérisés. À un certain moment, les FARDC, voire même les Wazalendo, abandonnent les cités et laissent l'ennemi s'emparer encore une fois. Mesdames et messieurs, ce n'est pas à dire qu'ils sont faibles. Ce n'est pas à dire qu'à un certain moment, ils sont complices de tout ce que l'ennemi est en train de faire. Pas du tout. Mais dans les stratégies militaires, les FARDC ne peuvent pas cautionner à ce que les civils soient massacrés pour que les rebelles du M23 trouvent encore une fois des alibis. Parce que facilement, ils peuvent dire les M23, disons, les FARDC, les Wazalendo utilisent la population comme leur bouclier. C'est ça qui explique même la façon de faire des FARDC. Et c'est précisément dans le territoire des Rutshuru, dans des entités où il y a encore quelques gens, quelques populations qui sont restées. Alors, dans le territoire des Masisi, alors aujourd'hui, c'est mardi, des affrontements, des affrontements opposent les FARDC aux Wazalendo. Cette fois-ci, je vais m'adresser aux FARDC d'abord. Parce qu'à maintes reprises, si vous pouvez, on peut se référer à la semaine passée, où quelques affrontements avaient encore une fois repris, mais il y avait d'intenses combats. À un certain moment, on écoutait même des détonations en armes lourdes, voire même légères. Mais il n'y avait pas des entités qui ont été récupérées dans les territoires des Masisi, que ce soit par les FARDC, par les Wazalendo. Ils n'ont pas récupéré des entités. Bien au contraire, c'était les statu quo. Au moment où, côté ennemi, il y avait des pertes, que l'ennemi nécessitait enregistrer des pertes. Et ça nous a permis de récupérer quelques entités, et plus tard, on n'avait pas même eu à faire plus de 24 heures dans les entités qu'on récupérait des M23-RDF à Rutshuru, parce qu'à tout moment, ils auraient bénéficié des renforts, que ce soit à Masisi, ou voire même dans d'autres entités, par exemple près des Kibirizi, dans le territoire de Rutshuru. Alors aujourd'hui, les verrous, les M23 auraient mis aussi un verrou dans le territoire de Masisi pour ne pas faciliter les FARDC ou disons de les prendre toutes ces entités. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais aujourd'hui, je suis content parce que les FARDC sont au courant de cette stratégie. Voilà pourquoi elles veulent aussi mettre fin à ces verrous et facilement pousser l'ennemi à fuir
tous les territoires des Masisi. Et là, il va se réfugier à Rutshuru, parce qu'à Rutshuru, là aussi, on va intensifier cette pression et récupérer tous ces territoires et finir avec les territoires de Nyiragongo. C'est comme ça que ça va se passer, peut-être, j'estime. Et voilà pourquoi, mesdames et messieurs, des affrontements sont une fois de plus à signaler. Je rappelle, ça s'est fait sur l'axe Rubaya-Bihambwe. Rubaya-Bihambwe. Et une fois de plus, on signale même un déplacement massif des populations. Les populations qui étaient à Rubaya fuient directement pour chercher d'autres refuges. Alors, comme à Rubaya Centre est toujours entre les mains des FRDC et des Wazalendo, c'est une précision. Rubaya Centre est contrôlé par les FRDC et les Wazalendo, mais les combats se déroulent autour des Rubaya, aux alentours des Rubaya. Et là, les FRDC ont. C'est les M23 qui ont attaqué voilà, les positions des FRDC. Et les FRDC et les Wazalendo vont essayer un peu de revenir, vont tout faire pour aussi. Mettre l'ennemi en difficulté. Je l'ai toujours dit, mettre l'ennemi en difficulté. Alors tout ça, c'est un avantage côté congolais. Pourquoi? Alors si une fois nous arrivons à récupérer toutes ces entités, ça va être un avantage pour nous et ça va contribuer à la pression diplomatique que le gouvernement congolais continue toujours de mener contre les régimes rwandais de Paul Kagame. C'est comme ça. Cette pression diplomatique aura aussi un argument, l'argument qu'on va présenter sera convaincant si sur le terrain nous avons aussi une position de force qui s'inscrit en notre faveur. Parce qu'avec ce que nous observons aujourd'hui, les Rwandais profitent de ce statu quo parce que sur le plan militaire, jusque-là, nous ne récupérons pas des entités. Mais s'ils voient que les entités commencent à tomber comme des cacahuètes, facilement nous récupérons des entités, les M23. Donc, le gouvernement rwandais sera dans l'obligation de favoriser aussi la tenue de toutes les discussions avec le gouvernement de Kinshasa. Mais si cela n'est pas encore fait, c'est parce qu'il n'y a pas une pression sur le plan militaire qui va les contraindre de s'orienter ou disons, de suivre cette démarche. Je suis tout à fait d'accord de la position du gouvernement congolais, celle de convaincre ou disons de conditionner une quelconque rencontre avec les autorités rwandaises dès lors qu'elles vont retirer leurs troupes en République démocratique du Congo. Et là, on peut discuter avec eux. Le chef de l'État en séjour à France, Félix Tshisekedi, l'a dit hier. Pour lui, rencontrer Kagame ou insister à ce qu'il rencontre Kagame, ce n'est pas pour que Kagame il vienne s'y plier, Kagame de retirer ou disons, d'abandonner toutes ces atrocités en République démocratique du Congo, mais bien au contraire, c'est pour dire à Kagame clairement qu'il est le criminel. C'est lui qui est responsable de toutes ces atrocités, de tous ces massacres aujourd'hui qu'on enregistre en République démocratique du Congo, lui dire en face et Kagame va lui dire pourquoi il fait tout ça. C'est ça. Donc en quelque sorte, ce n'est pas une négociation qui sera menée entre les deux pays, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il n'y aura pas de négociation. Au-delà du fait pour le pouvoir de Félix Tshisekedi de refuser de rencontrer les M23, le président est d'accord. Il est pour la rencontre avec Paul Kagame, mais ce n'est pas pour lui supplier ou disons pour lui demander de retirer ses troupes en République démocratique du Congo. Ce n'est pas ça. Mais c'est pour lui dire clairement que c'est lui le responsable. Ils ne vont pas le faire par médias interposés comme ça s'est fait toujours, mais il va lui dire directement que c'est lui le responsable de toutes ces atrocités que nous enregistrons en République démocratique du Congo. Une fois cela est fait, Kagame sera mis devant ses propres responsabilités. Parce qu'à un certain moment, il fait tout ça, sachant que le monde entier, parce qu'il y a cette indifférence de la communauté internationale, de toutes ces puissances, et Kagame pense que c'est la vie que tout le monde, que l'opinion internationale garde sur lui par rapport à tout ce qu'il mène comme aventure en République démocratique du Congo, ses aventures criminelles. Alors, une fois cela, sera plutôt, on lui dit tout ça en face, mesdames et messieurs, facilement, il va comprendre qu'enfin, il est démasqué, on le connaît. C'est comme ça, et c'est ce que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est en train de faire. Alors, je l'encourage à avoir cette volonté de les faire publiquement.
Pourquoi je l'ai dit publiquement? Pourquoi? Parce que quand ils vont se rencontrer, qu'ils les fassent. Qu'ils les fassent. Parce que ce n'est pas aussi bon de tenir ce genre de propos. Et une fois que vous vous rencontrez, ne pas dire ça à Kagame. Ça sera en quelque sorte une lâcheté. Et je ne vois pas le président Félix Tshisekedi tomber dans ça. Et, bien au contraire, en essayant un peu de pousser nos réflexions un tout petit peu plus loin, je comprends, ou disons, je constate que le président rwandais Paul Kagame sera toujours en train de débloquer toutes les démarches diplomatiques. Parce que quand il écoute le président Félix Tshisekedi dire, quand je vais rencontrer Kagame, ce sera une occasion pour moi de lui dire en face qu'il est le criminel, qu'il est le responsable de toutes ces atrocités qui sont commises en République démocratique du Congo. Ça, c'est le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui le dit. Et il est prêt à le dire au président rwandais Paul Kagame. Et puis, quand Kagame écoute tout ça, lui, il va mener des démarches pour bloquer toutes les voies diplomatiques dans lesquelles Kinshasa sera en train de s'investir. Alors, pour les contraindre ou pour les bloquer définitivement, à ce qu'il ne trouve pas de manœuvre pour bloquer les démarches diplomatiques, que doit-on faire? Mesdames et messieurs, la seule solution, c'est de mener une pression militaire sur Paul Kagame. La pression militaire, ce ne sont pas les sanctions. Nous ne devons plus compter sur les sanctions de l'Occident. Parce que l'Occident, à un certain moment, essaie un peu de mener les choses avec complicité, avec légèreté, parce qu'il ne veut pas condamner Kagame directement. Il ne veut pas sanctionner Kagame directement. Et s'il si le fait, c'est juste par des déclarations. Mais en termes d'action, rien n'est toujours fait. Mesdames et messieurs, comprenez donc que si une fois nous maintenons tous dans ces pressions militaires, frapper les éléments RDF qui sont à Masisi, on doit les frapper. Ils doivent subir la force des frappes des FARDC. Les Ouazalendo sont aussi déterminés. À un certain moment, moi j'ai toujours dit, parce que vous le savez, les militaires respectent ce qu'on appelle des consignes, les ordres. Mais quand l'ordre n'est pas donné, eh bien les militaires ne vont rien faire. Donc, ils attendent ne serait-ce que cet ordre pour mener des offensives, je dis bien des vraies offensives. Pas ce que nous observons. C'est l'M23 qui attaque, c'est le RDF qui attaque, et puis les FARDC vont réagir. Pas ça. Mais nous devons aussi les attaquer. Ils sont sur notre territoire. On doit les attaquer aussi et continuer même à les pourchasser. Parce que moi, je ne vois pas un effectif qu'à les Rwanda qui peut faire face aux FARDC, qui peut faire face aux Ouazalendo. Je ne vois pas cet effectif. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ils n'ont pas cet effectif qui peut leur permettre de résister face aux FARDC. Mais c'est parce que le commandement ne donne pas les ordres qu'il faut. C'est ça la réalité. Mais si nous arrivons aussi à les faire, mesdames et messieurs, facilement, on peut, parce qu'on a l'effectif, ça il ne faut pas, il ne faut même pas le dire, nous sommes chez nous, et je ne vois pas ces militaires rwandais, je ne vois pas ces quelques gens, quelques traîtres ramassés dans les M23 qui peuvent facilement nous faire du mal ou qui peuvent résister face à la force loyaliste de la République démocratique du Congo. Donc, mesdames et messieurs, maintenant, disons, c'est à nous de maintenir, voilà, cette pression aux Rwandais, cette pression aux M23, aux Ougandais et toutes leurs suites, et facilement, vous allez voir que ce soit la démarche diplomatique. Parce qu'à l'interne, je ne vois pas un politique congolais qui ne sera pas content de voir les FARDC récupérer Rubaya, les FARDC récupérer Kibirizi, récupérer la cité, même Mouchaki récupérer toutes ces entités. Je ne vois pas quel est ce politicien qui, à l'interne, qui ne sera pas content de toutes ces nouvelles. Donc, les statu quo aussi sur le front politique s'expliquent justement par les fronts militaires qui n'arrivent pas à maintenir cette pression à nos ennemis, à nos envahisseurs. Mesdames et messieurs, donc, tout s'explique, ou disons, c'est l'option militaire, c'est le déclic de tout ce qu'on, de toute cette guerre. Ça va débloquer d'autres situations, d'autres fronts, et facilement, je vous assure, le Rwanda ne va pas même résister 6 mois. J'ai toujours présenté l'exemple. C'est vrai, les gens peuvent dire que ce n'est pas le même contexte. En 2013, le M23 avait quitté la ville de Goma. C'était au mois de décembre, je me rappelle. Décembre 2000, les 3 décembre 2012. Ils avaient quitté la ville de Goma pour aller à 20 km de la ville. Mais ils n'avaient même pas respecté ces 20 km. Mais qu'est-ce qu'on avait fait?
Au-delà du fait d'attendre à ce qu'il y ait des pourparlers sur le plan diplomatique, je vous assure, les FARDC étaient en train de se préparer pour mener les offensives contre les M23. Et toutes ces offensives qu'on avait menées étaient en notre faveur. Parce qu'il y avait une forte pression. Jamais, je vous assure, les FARDC n'avaient reculé contre les M23 en 2012-2013. Surtout 2013, parce que là, nous étions déjà au début de l'année 2013. Et cette guerre n'avait pas fait. Cette guerre, en 2013, n'avait pas fait même une année. On les avait délogés ici. Dans moins d'une année, on les avait délogés. Alors pourquoi aujourd'hui on ne peut pas les faire? Pourquoi on ne peut pas les faire? Voilà, mesdames et messieurs, donc il y a aujourd'hui urgence que nous puissions nous renforcer encore une fois sur l'option militaire et voir comment est-ce qu'on peut contraindre l'ennemi. Alors, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, dit toujours en France, aujourd'hui, c'est le dernier jour de sa visite officielle. Il va rencontrer Emmanuel Macron et en face, il va encore, là, ça sera maintenant des échanges en face qui seront menés. Et là, on va dire des vérités encore aux Français. Les Français doivent être clairs vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Ils doivent nous rassurer que c'est vrai, ils prennent au sérieux cette affaire et qu'ils passent aussi aux actions. Ils doivent sanctionner les Rwandais. Pas ce que nous observons. C'est vrai, vous avez des accords avec les Rwandais, on ne refuse pas. Et moi, j'ai toujours dit, ces derniers temps, la France plutôt s'est présentée à céder sur tout ce que les Rwandais ont mis sur elle. Pression. Imaginez aujourd'hui la France reconnaît officiellement qu'elle pouvait faire mieux dans les génocides de 94 au Rwanda. Elle pouvait faire mieux de ce qu'elle avait fait. La France l'a reconnu officiellement et c'est une victoire diplomatique pour le Rwanda. Alors, pour nous, nous devons aussi avoir des conditions vis-à-vis de la France. La France, si elle ne fait pas ça, nous aussi, nous n'allons pas faire ça pour elle. C'est comme ça parce que les relations diplomatiques, c'est les intérêts qui comptent beaucoup plus. Qu'est-ce que nous gagnons dans tout ce que nous avons comme relation avec les Rwanda, la France? Qu'est-ce que nous gagnons au juste? Donc il y a lieu aujourd'hui de remettre en cause nos relations avec la France. Et ça va se faire en face, on doit se le dire tout ça. Le chef de l'État qui conduit une grande délégation va rencontrer donc Emmanuel Macron. Et c'est comme ça qu'il va terminer sa visite en France. Hier, il a eu à présenter des discours avec son livre, surtout sur la République démocratique du Congo. Mais, mesdames et messieurs, ce qui doit suivre, bien sûr, c'est qu'on arrive, qu'on vienne avec un langage beaucoup plus dissuasif vis-à-vis d'Emmanuel Macron et les contraindre qu'il ne fasse plus des hypocrisies, ça et là. En Kinshasa, lui-même, il nous avait renvoyés sur nos propres responsabilités. Ça, nous ne refusons pas. Mais ce n'est pas à dire que les Congolais ne sont pas à mesure de prendre au sérieux leurs propres responsabilités, l'assainissement des milieux internes sur le plan politique, beaucoup de choses, notre économie doit être aussi bien assise. Ça, c'est tout à fait normal. Mais ce n'est pas ce qui explique aussi à ce que les Rwanda, la France puisse se positionner directement et surtout, c'est d'une manière ouverte en soutenant les Rwandais ou en appuyant les Rwandais. Ou, si vous n'êtes pas en train d'appuyer les Rwandais, pourquoi vous restez silencieux par rapport à ce que la France, disons, les Rwandais est en train de commettre aujourd'hui en République démocratique du Congo? Les experts des Nations Unies, et ce n'est plus un secret pour personne, on connaît tous que les Rwandais est en train d'agresser la République démocratique du Congo. Les experts des Nations Unies avaient démontré noir sur blanc la présence du Rwanda, la présence des troupes rwandaises sur les sols congolais aux côtés des M23. Mais pourquoi vous n'êtes pas en train de passer aux actions pour condamner les Rwandais, pour sanctionner les Rwandais? Donc, c'est pas l'hypocrisie. Alors, c'est à nous donc d'être un tout petit peu ouverts envers toutes ces puissances, envers tous ces pays, pour qu'enfin la RDC soit remise dans ses droits. Sinon, si cela n'est pas fait, je crois cette fois-ci que la République démocratique du Congo va chercher d'autres partenaires sincères qui ne vont pas faire des choses avec hypocrisie. Ça, nous espérons. Voilà donc, mesdames et messieurs, nous allons donc terminer notre décryptage d'aujourd'hui en vous disant tout simplement que les affrontements sont en cours à pareil moment dans les territoires de Masisi. Les FARDC font face à la coalition RDF M23 près de Rubaya et ses environs.
Alors là, on voit beaucoup plus l'axe Rubaya et Bihambwe, tout en précisant que les FRDC contrôlent toujours Rubaya Centre. Rubaya Centre est toujours entre les mains des FRDC et les Wazalendo. Nous espérons qu'il y aura des bonnes nouvelles. Cette fois-ci, nous ne voulons plus qu'il y ait des statu quo. Parce qu'à un certain moment, moi, je viens toujours ici pour vous dire, il y a les affrontements. Mais vous me demandez quel est le résultat? On ne sait pas. Chacun à garder ses positions. Alors, est-ce que vous allez me dire que si une fois l'ordre a été donné au FARDC de frapper ces M23, les M23 RDF ont la capacité de résister à la force de frappe des FARDC? Je ne crois pas. Ils n'ont pas l'effectif. Tactiques de guerre ne sont pas plus mieux que nous. Nous, nous sommes mieux classés en ce qui concerne les armées les plus fortes en Afrique. Nous sommes mieux classés que les Rwandais. Nous sommes mieux classés que toutes ces puissances aujourd'hui qui sont entrées dans tous ces pays. Parce qu'on parle des 5 pays qui sont en train d'appuyer les. Qui sont sur le sol congolais. Il y a les Ougandais qui sont sur le sol congolais en train de combattre, en train d'appuyer les M23. Nous sommes mieux classés. Mais comment expliquer que nous n'arrivons pas à récupérer des entités au moment où nous sommes mieux classés? Nous avons aussi un effectif qu'il faut. Donc, mesdames et messieurs, c'est très paradoxal. Nous sommes à la fin donc de cette émission, mesdames et messieurs. Écrivez-nous au plus de 143 9. 98 72 43 14 plus 243 9 98 72 43 14. Congo Live sera toujours là pour vous accompagner, sera toujours là pour vous servir. Aimez, partagez, commentez aussi toutes nos productions. Bonne suite chez vous, mesdames et messieurs. On va se retrouver demain.